Left lead. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing black with silver trim. His official weight, 159.9 pounds. En 55 combats, il a 49 victoires, 43 par KO et un verdict nul. His professional record consists of 49 victories, 43 coming by way of knockout, and one draw in 55 bouts. L'aspirant numéro 3 WBC et champion WBC Latino des poids moyens. Currently ranked number 3 by the WBC and WBC middleweight Latino champion. Ladies and gentlemen, from Torreón, Coahuila, Mexico, Marco Antonio El Veneno. Son adversaire dans le coin bleu porte sa traditionnelle culotte Bourgogne et or et pèse 159,6 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears his traditional burgundy trunks with gold trim. He weighed in at 159.6 pounds. Invaincu en 25 combats, 25 victoires, 24 par KO. He is undefeated in 25 professional bouts with a perfect 25 victories, 24 coming by way of knockout. L'aspirant numéro 11 de la IBF, numéro 10 WBO et numéro 2 WBC WBA, champion WBC international des poids moyens. Currently ranked 11th by the IBF, 10th by the WBO, and 2nd by the WBA and the WBC. He is the current WBC International Middleweight Champion, De Laval, David réservé à David Lemieux, qui rapidement est devenu une grande star de la boxe chez nous. Les gens sont heureux de le voir dans le ring. On aime les cogneurs, on aime voir des boxeurs comme lui. Et David Lemieux représente exactement ce que les gens veulent avoir comme champion chez nous, ici au Québec. Et allons tout de suite au centre du ring. OK, gentlemen, you both received my instruction in the dressing room. Remember, protect yourself at all times, obey my command at all times. Let's go, touch gloves. J'aime beaucoup la bouille de Lemieux qui avait son petit sourire, qui voulait narguer Marco Antonio Rubio, qui lui a 30 ans contre 22 pour David Lemieux. Et à peu près tout le reste se ressemble. Ouais, même poids, même taille, même portée. Que le spectacle commence. C'est parti pour 12 rounds de boxe dans cette grande finale en direct du Centre Bell à Montréal. La table est mise. Depuis le temps qu'on attend ce combat, c'est parti. Rubio, 15 de ses adversaires, passé dans 4 au premier round. Lemieux, 9. Deux cogneurs qui s'affrontent. On a beaucoup travaillé sur la défensive de Lemieux. Le crochet de Rubio. Il vient d'ouvrir le jeu, lui, là. Il a été le premier solidement. Ah oui, il a été le premier à donner le bon coup. Le bon premier coup, c'est lui qui l'a donné. Avec le jab au corps, Rubio garde Lemieux à distance. Lemieux qui avance doucement. À l'entraînement média cette semaine, on voyait que Rubio travaillait avec son entraîneur, travaillait sur les sacs. Et on était conscient à quel point il est puissant. Belle main arrière de la part de Lemieux. Moins forte que le coup de Rubio plus tôt, par exemple. Rubio qui a concédé le centre du ring, il se déplace. Le jab de la part de Rubio. La réplique de Lemieux. Une chose certaine, c'est que Lemieux actuellement, c'est que Rubio cogne dur. Ah oui, tout à fait. La carte de visite a été donnée en partant, là. Tout de suite en partant. On sent une tension dans le centre bain actuellement. Au centre du ring. Rubio qui tourne autour de Lemieux, patient. Lemieux, première main droite pour Lemieux, qui se porte à l'attaque dans le coin, qui atteint Rubio à plusieurs occasions. Rubio recule, encore, à la tête, encore. La charge de Lemieux se poursuit. Rubio est dans les câbles. Quelle attaque de la part de David Lemieux. Explosé. En
encore une fois dans le coin. Le ring est devenu petit, petit, petit pour Rubio. Oui, et le nez de Lemieux saigne. Quelle charge de la part de Lemieux. Encore une fois, Lemieux se porte à l'attaque juste en face de nous. Il tente de garder Rubio dans le coin. Avec la droite, la gauche, Rubio est dans le coin. Il vacille sur ses jambes un peu. Lemieux revient. Quel transfert de poids de Lemieux. Il reste 25 secondes à faire au premier round. Lemieux qui ne veut rien savoir. Rubio en a plein les bras. Wow! 15 secondes. Et là, le change est donné. Rubio connaît la puissance de Lemieux maintenant. Si Rubio a bien commencé le round avec un bon coup de poing, Lemieux a dominé la suite de l'affrontement. Wow! Quelle charge de David Lemieux! Oh! C'est parti! Et Rubio revient dans le coin, il a hanché de la tête en voulant dire « My God! Oh, » Qu'est-ce qui vient de se passer? Wow! Quel premier round! Lemieux qui s'est dîné. Présenter quelques-uns des moments de ce combat en premier engagement. Le crochet de Rubio qui a surpris Lemieux. Ça a été son meilleur coup, ça. Ouais. Et ensuite, la réplique de David Lemieux. Rubio s'est retrouvé dans le coin. Très mauvaise place face à un jeu de cogneur comme Lemieux. Et Lemieux, lui, s'est payé la traite. Et croyez-moi, à un moment donné, il était juste en face de nous. Ça frappait sûrement. Deux bons coups au corps, ouais. Rubio, pour faire pincer les gars, la garde. 19, le premier round de ce combat éliminatoire de la WBC sur la carte de Gabby Mancini. Le deuxième est commencé. De quelle façon Marco Antonio Rubio va réagir? Lui qui a été complètement déclassé en fin de premier round. Rubio qui a tenté de passer sa main droite par-dessus le jab de Lemieux. Donc, Rubio est conscient là, qu'il faut qu'il marque rapidement pour stopper un peu la charge, les charges Lemieux. Le mettre, le sortir de sa zone de confort. La contre-attaque de Rubio après une charge de Lemieux. On a réussi à stopper le sang qui coulait du nez de Lemieux. Entre le premier et le deuxième round. Et c'est bien, Lemieux a placé un bon direct au corps encore une fois. Ouais. Donc, déstabilise son adversaire. Centre du ring, Rubio. Rubio qui avance sur Lemieux. David l'attend. Rubio qui a décidé, lui, de bloquer avec ses gants. Donc, pas question d'esquiver, pas question de prendre de chance. T'as vu comment il frappe avec moins de conviction, là. Il hésitant. La droite de Lemieux qui ne touche pas. Le danger, c'est de se faire prendre en compte au moment où on rentre dans le coup de l'adversaire. Lemieux au corps. Oh, qui tend la grosse main gauche qui rate. Encore une fois, un coup de puissance qui passe par-dessus la garde de Rubio. Dans le coin de Rubio, on voudrait qu'il soit plus actif. Là. Il laisse aller Lemieux depuis le début du round. Lemieux fait ce qu'il veut. En puissance, David Lemieux qui frappe encore Rubio. C'est le long des cordes, on revient au centre. À chaque coup de Lemieux, Rubio recule. Remarquez bien la puissance de ses coups. Impact est majeur. Oh oui. Le jeune des roches dans les gants. Du plomb. Centre du ring avec moins d'une minute à faire au deuxième. Rubio qui recule. Alors que Lemieux semblait vouloir attaquer, mais il a été patient. Petit coup encore de rien de la part de Rubio. Jab, jab. Lemieux au centre. Rubio qui se porte à l'attaque. 30 secondes à faire au deuxième. L'attaque, les deux mains de la part de Rubio. Rubio, 240 rounds d'expérience contre 56 pour David Lemieux. Boxeur franchement plus expérimenté.
David Lemieux qui se porte à l'attaque. T'as vu à quel point Rubio peut se protéger là. Il était très craintif là-dessus. Il se rappelait de la fin du premier round. Dans le cœur de Lemieux qui se porte à l'attaque. Les gens perdent l'équilibre. Recule. Laisse écouler les dernières secondes. Bon round de la part des deux boxeurs, mais surtout de la part de David Lemieux. Est-ce que tu aimes ce que tu vois jusqu'à maintenant, Bernard? Ça va bien. Lemieux est compact. Ne s'énerve pas. Prépare ses attaques. Et Rubio de plein les bras. El Veneno, le venin, le poison. Dans le moment, il l'a dans le visage, le poison. Ah oui. Il a eu en pleine face en premier engagement, premier round. Et encore une fois, deuxième. Allons voir quelques-uns des bons moments de ce deuxième round. Un long crochet. Lâche crochet de mieux. Rubio l'a bien bloqué avec son avant-bras, avec son bras. Et on le voit à quel point c'est puissant quand David frappe. Rubio recule à chaque fois. Ouais. Heureusement pour Rubio, il a été très actif avec ses bras. Deep breath, baby. On est calme dans le coin de mieux, c'est bon signe. Rubio est déjà debout. Alors que Lemieux profite de tout le temps voulu pour reposer ses jambes. Et il est reparti. S'est levé d'un seul bond. Quand tu boxes avec Lemieux, tu as intérêt à avoir un jeu de pied très vivant. Oui, parce que c'est statique, là. Il peut t'arriver une brique dans le front. Ah oui. Yvon Michel qui parlait de ses papillons dans son ventre tantôt avant le combat. Il se déplace depuis tantôt. Change de place, très nerveux par ce qui se passe actuellement dans le ring. On peut le comprendre. Lemieux a un bel avenir devant lui. Et une victoire ce soir l'amène directement au combat de championnat du monde. Et ce qui est dangereux face à un cognard, c'est que tu peux bien gagner 11 rounds, mais il suffit juste d'un coup de poing. Un seul coup de poing, exactement. Combat. Et tu viens de laisser aller le combat. Et Rubio capable de faire ça. Voilà la moyenne de durée des combats de façon normale. 4.3 pour Rubio et Lemieux 2.2. Deux cognards qui endorment rapidement leur adversaire d'habitude. On a deux boxeurs qui sont pas pour les longues fréquentations. Lemieux qui se porte à l'attaque. Rubio sort des câbles rapidement et le garde à distance avec son jab. Lemieux l'amène dans les câbles. Oh, la droite qui a raté. Rubio qui a un bon jab, mais il est hésitant à le lancer parce qu'il a tellement peur de se faire prendre en compte par la droite de Lemieux. Il doit se rappeler de la charge également du premier round. Là. Donc, Rubio se cherche des angles actuellement. Ouais. Il ne veut pas affronter le but de face. Et le but ne lui en donne pas parce qu'il le suit, il bouge bien. Voilà, encore une fois, comment c'était frileux comme attaque, ça. Au centre. Jab de Rubio. Au corps. Et on commence à scander David, David au centre Bell. Bon contact, c'est brillant ça de la part de Lemieux. Actuellement, Rubio bouge bien, donc il faut tenter de le ralentir en le frappant au corps le plus souvent possible. Je le trouve patient, David, tu vois. Prends son temps, étudie Rubio, attend sa chance. Oh, c'était fort, ça, en puissance au corps. À la tête, Lemieux qui se porte à l'attaque. T'as vu le transfert de poids, quelle fois ça arrive avec la force? Encore une fois! Lemieux qui se porte à l'attaque, Rubio qui réagit que, avec des jambes un peu mous. Rubio solide, n'a pas bronché à l'escalade malgré les bombes qu'il a reçues au visage. Ouais, t'as raison, il a encaissé jusqu'à maintenant. Moins de 15 secondes à faire au troisième. Rubio, ça sert beaucoup de ses gars pour bloquer. Bon coup de la part de Rubio. Ouais. Quelques secondes à faire à ce round. C'est terminé. Round terminé. Bon travail de la part de Rubio.